Le métier d'ATSEM, c'est d'apporter une assistance éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il aide l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Pour faire ce métier, il faut avoir le CAP, accompagnement éducatif pour la petite enfance. Et alors, on a le droit de passer l'examen d'ATSEM. Le matin, j'aide le maître à installer le matériel pour les activités du matin. Et puis, il y a la cantine. L'après-midi, je m'occupe de la sieste. Et ensuite, à la fin de l'école, voilà, il y a tout le ménage à faire, classe, toilette. Moi, je commence ma journée à 8h pour la mise en place. Ensuite, j'enchaîne avec le transport scolaire. La matinée, elle est consacrée aux activités éducatives. À midi, je suis en service à la cantine. L'après-midi, je suis en surveillance de la sieste des plus petits. Au réveil, je leur lis une histoire. À 16h30, de nouveau, j'assure le transport scolaire et je finis ma journée par l'animation périscolaire du soir jusqu'à 18h30. Il a beaucoup évolué au cours des dernières années. Maintenant, nous faisons partie intégrante de l'équipe éducative. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre en charge un groupe d'élèves sous la responsabilité de l'enseignante et pouvoir animer une activité avec les consignes qui ont été données par l'enseignante. Je suis avec les enfants toute la journée et que ça, c'est une passion. Ce que j'aime le plus dans le métier d'ATSEM, c'est d'évoluer chaque jour auprès des enfants et c'est ce qui est important parce que c'est le cœur de notre métier. Voir l'évolution de chacun tout au long de l'année scolaire. J'aime beaucoup leur spontanéité, leur soif de découverte. Une chose est sûre, c'est que quand on est ATSEM, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Nous sommes en pleine nature au cœur des montagnes. Les enfants adorent être dehors et c'est vraiment un environnement apaisant pour pouvoir travailler sereinement. Je suis venue habiter dans la commune des Belleville pour mes enfants qui voulaient faire du ski. Et donc, de venir travailler pour la commune de Belleville, de participer à la vie de l'école, ça permet de s'impliquer dans le village. On doit faire des formations d'office chaque année. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de missions différentes, nous, en tant qu'ATSEM. Donc, on a un grand choix de formations différentes pour pouvoir enrichir nos connaissances dans les différentes missions qui nous sont confiées.